Bonjour à toutes et à tous. Là, j'avais dit que j'allais faire le changement des Atmega 328 sur mes Arduino Nano qui étaient en panne. Alors, j'ai commencé à dessouder donc ici la puce. Alors, c'est un peu short, hein. Si je mets un peu plus près, voilà. Pas terrible. N'est pas fait pour aller de près cet appareil. Donc c'est pas très compliqué, mais il faut être précis. Donc j'ai un produit que je viens de recevoir qui est du flux de soudure. Donc en fait on applique il a vraiment de la peine à filmer près. Un peu. Voilà, donc en fait on applique la pâte sur les contacts et avec de la tresse à dessouder comme celle-ci, et ben on arrive à enlever la soudure sur les contacts. Donc je sais pas si je mets avec la loupe, c'est pas terrible. Par contre, il est un peu plus net, pas terrible non plus. Voilà, là on voit quelque chose. Et une fois qu'on a réussi à bien décoller, bien dessouder tous les contacts, théoriquement, avec une petite aiguille, voilà, et on arrive à le démonter. Alors, j'ai pas de petite bruxelles ici, j'ai pas de petite pince, donc ça va être un peu délicat de le sortir. Je vais juste essayer de l'enlever son support. Voilà. Tac. Donc voilà, là, je prendrai avec cette pince là, voilà, délicatement. Voilà, donc ça c'est la puce, donc c'est la chose que l'on programme quand on fait un Arduino. Voilà. Alors j'en ai recommandé, je les ai encore pas reçus, donc je vous referai une vidéo pour leur soudage. Alors on voit ici donc juste pour être sûr par la suite, donc je sais pas si vous voyez, mais ici il y a un petit point là, là ici hein. Et ce petit point, donc le détrompeur, on le retrouve dessiné ici, là, le petit rond blanc. Voilà, donc ça va pas poser trop de problèmes pour le ressouder. Et voilà la petite puce démontée. Voilà, à tout bientôt.